pouvoir partir avec les autres. Ça y est, tout ce petit monde est parti, même si les casaques verts et rouges se trouvent un petit peu derrière. On a Margot Moisson qui a pris l'avantage, qui essaye de régler un petit peu la vitesse. En dernière position, on a les deux cavalières du club de Belle-Cerive qui suivent à distance, mais qui ont l'air tout à fait sereines. Tandis que Margot se présente à l'entrée de la ligne droite, accompagnée de représentants de l'écurie Allard. Ce petit monde traverse un petit peu la piste. On a la casaque de Serge Hamon qui se trouve en deuxième position. Tandis que en tête, le poney de tête dérobe un petit peu. Il va venir se caler le long de la lisse pour continuer sa progression. Belle lutte à l'arrivée, vous pouvez l'encourager. Il s'agit du numéro 7, Bravo, qui prend l'avantage devant le représentant de l'écurie Hamon. Et tout ce petit monde suit à distance. Margot est en sixième position. En quatrième, on a Zoé qui termine très bien son parcours avec Fiesta. Et on encourage les deux poneys de club qui font une jolie remontée. Voilà, encouragez-les parce que c'est vraiment pas facile de débuter avec des chevaux. Donc ça n'est pas l'activité première. Voilà, on constate qu'elles ont une très jolie position et qu'elles caressent leur monture. C'est très sympa. Bravo à elles.